Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans pour la ville de Paris en tant que conseiller art contemporain et pendant 5 ans, entre 2008 et 2012. Donc, j'ai été directrice artistique associée avec Christian Bernard pour le projet des interventions artistiques du tramway T3. Cette expérience, elle était vraiment d'une richesse extrême. On a eu des réponses d'artistes extraordinaires, une très très bonne collaboration avec tous les artistes, même ceux avec lesquels d'ailleurs on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour des raisons parfois techniques, parfois financières évidemment, parfois électorales aussi. Hein. C'est un projet qui dure 5 ans quand la mairie est en place 5 ans, c'est pas évident de réussir tout et je pense que le politique est aussi un élément très important des dispositifs de commande publique. Donc mon retour d'expérience, aujourd'hui il est mitigé évidemment parce que autant on a une énergie extraordinaire quand on commence, à œuvrer pour ce grand projet. Nous on était sur 11 km, 25 au total avec la. Non, 15 km, 25 au total avec le premier tronçon, donc c'était la moitié de Paris qui était aménagée avec le nouveau tramway. Des quartiers très difficiles, puisqu'on passait du 13e et on allait jusqu'au 19e. Donc des quartiers qui n'avaient jamais eu d'intervention artistique, d'œuvres, qui étaient quand même des quartiers très délaissés, puisqu'on passait vraiment, vraiment au nord, hein. Aubervilliers, Port de la Villette et tout ça, mais pas le côté, on va dire, la Villette, hein, de l'autre côté du parc de la Villette, donc des quartiers quand même assez, assez complexes. Donc il a fallu étudier avant tout toute cette sociologie, tout ce territoire, hein, toute cette géopolitique en fait, des territoires avant même de passer commande à des artistes. On a eu une méthode que moi j'applique toujours dans mon travail aujourd'hui, c'est-à-dire jamais faire venir des choses du haut, jamais penser qu'on a raison et que les autres ont tort. Donc on a fait une étude qui a duré presque 10 mois, avec plusieurs personnes des territoires, dont Alexia Fabre, hein, la directrice du MacVal par exemple, où on a pris possession en fait des territoires. On a interrogé des personnes, des associations, on a vu les maires de tous les arrondissements, 6 arrondissements traversés, et les 11 maires des communes limitrophes, donc un travail vraiment sociologique très important. Et puis petit à petit, on a dégagé en fait des univers qui pourraient être pris par des artistes. Mais en aucun cas, on a pensé à des artistes et après on a pensé le territoire, on a fait exactement l'inverse. Et je pense que, en tout cas, en ce qui concerne la méthodo, c'est la meilleure qui soit. Ensuite, on a proposé évidemment tous ces projets à la mairie de Paris. À l'époque, on travaillait avec Bertrand Delanoë, qui était maire. Et donc, il y a eu plusieurs étapes, évidemment, de validation des premières esquisses. Ensuite, on a travaillé avec un ingénieur, une société d'ingénierie qui s'appelle la CETEC, ingénieur pur. Moi, je tenais à ça, pas une boîte de production, mais vraiment des ingénieurs purs qui discutaient vraiment sur les poids, sur les tensions des œuvres dans le territoire, sur certains tronçons de la ville. Tout a été étudié, en fait, comme si on créait une architecture. Et jamais une œuvre. C'est-à-dire qu'on s'est mis aussi dans les contraintes de l'architecture. Et je pense que ça aussi, ça a été très important pour les artistes et pour les œuvres, qui aujourd'hui résistent très très bien au temps qui passe. Peu sont dégradées, et si elles sont dégradées, on en parlera peut-être, je pense qu'il y a certaines choses à dire par rapport à leur dégradation, mais qui ne sont pas dues du tout à toutes les études préalables, hein, qui sont dues à des questions plutôt de maintenance. Donc voilà, on est sur des... Sur des œuvres qui. On est sur des artistes qui se sont totalement impliqués dans le territoire, qui sont restés très longtemps avec nous, parce que le projet a duré 5 ans. Donc on leur a passé commande, une première commande d'études en 2008-2009, et les œuvres ont été réalisées courant 2012. Donc ça a pris vraiment du temps de maturation, du temps aussi de revenir sur des choses qu'ils avaient proposées, c'est-à-dire on n'a jamais dit. C'est génial, on adore. Non, on a dit, on étudie la question, on l'étudie techniquement, on l'étudie budgétairement, et après on voit. Et par exemple, Anita Molinero, qui est à la porte de la Villette, a dû refaire son projet 3 fois parce que ça passait pas à plusieurs endroits. Ça passait pas avec le maire de l'arrondissement. Après, ça passait pas avec la RATP, qui était financeur du projet. Enfin voilà. Et on a, je trouve, on a été
comment dire, sensible aussi à ce que les autres pouvaient nous dire des œuvres. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas eu une forme d'impérialisme, hein, je mets des guillemets, mais quand même, du super directeur artistique qui sait tout. Non, en fait, nous, on ne savait rien. On ne connaissait pas les arrondissements, on ne connaissait pas les gens des arrondissements. Et je pense que les personnes les mieux placées, en tout cas, étaient soit les associations, soit les maires, et les élus à la culture, évidemment, qui pouvaient nous renvoyer une image, disons, la plus juste de leur territoire. Et en ce sens, les artistes ont très très bien compris aussi quels étaient ces enjeux. Donc voilà, en gros, il y a eu aussi plusieurs œuvres, je l'ai dit, qui ont été abandonnées, hein, encore une fois, qui sont aujourd'hui présentes dans les mémoires, dans les esprits évidemment de nous-mêmes et des artistes, et peut-être aussi de certains maires d'arrondissement qui les ont regrettées parfois. Mais comme je disais, pour des raisons techniques ou financières, on n'a pas pu les réaliser. Alors, ce qu'il faut rappeler dans le tramway des Maréchaux Est, c'est qu'il y a deux tronçons, le TA et le TB. Donc, le premier tronçon, nous, on ne l'a pas géré avec Christian Bernard, c'était Ami Barak, hein, qui était commissaire, directeur artistique, et qui a fait donc du pont de Garigliano jusqu'à Masséna, en fait, hein, là où sont actuellement les vitrines à la rue de Patay. Donc, tout le travail qui a été fait en amont, nous, on s'est servi des défauts, des écueils, des problèmes que cette équipe avait rencontrés, qui a eu très peu de temps pour travailler, qui a essuyé vraiment les plâtres et durement parfois, puisqu'en fait, l'équipe tramway était quand même assez fébrile, réticente, parfois hostile à ce que des œuvres s'installent sur le territoire. Donc on a, nous, quelques années après, heureusement bénéficié de tout cet essuyage de plâtres, hein, parce que vraiment, ils ont souffert. Et donc, du coup, plusieurs œuvres qui avaient été proposées, je vais en citer deux en tout cas, l'œuvre de Bertrand Lavier et celle de Sophie Kahl, avaient vraiment une durée d'installation. C'est-à-dire, c'est comme elles avaient un CDD, hein, pas un CDI. Et donc, ces œuvres-là, une fois la convention rompue, c'est-à-dire le contrat de l'artiste était, voilà, votre œuvre sera installée pour X années. On a prolongé parfois, parce que, par exemple, pour Sophie Kahl, il y avait beaucoup d'intérêt à ce qu'elle soit là. Les gens avaient envie de la garder, donc il y a eu des petits sondages, des petits micro-trottoirs. Bon, évidemment, certains ont trouvé ça horrible, mais enfin, bon, ça, il n'y a pas de règle pour ça. Hein. Parfois, les gens trouvent les œuvres magnifiques et les mêmes trouveront d'autres œuvres horribles, donc il n'y a pas de critères. Hein. C'est quand même très difficile de dire ça. Mais l'œuvre, du coup, est restée un peu plus longtemps que prévu. Et c'est vrai que quand elle a été démontée, tout le monde a crié au scandale parce qu'elle avait été démontée, alors même que dans son contrat, c'était bien intégré. De même, Bertrand Lavier, les palmiers qui se lèvent, le mirage, hein, comme c'était le titre de l'œuvre, c'était une œuvre aussi qui devait rester pour seulement 5 ans, puisqu'en fait, il y avait dans la prévision de la CEMAPA, qui est donc l'aménageur du 13e arrondissement, une convention qui avait été signée avec l'artiste et avec RFF, qui est propriétaire de la petite ceinture, que cette œuvre devait à un moment donné être délocalisée ou purement et simplement enlevée. Hein. Bertrand Lavier était parfaitement au courant de cet état de fait puisqu'il a signé les contrats afférents à cette position. Voilà, donc je pense que là-dessus, nous on n'a pas eu le cas, c'est-à-dire qu'on a choisi des emplacements qui n'étaient pas provisoires, mais on a travaillé complètement différemment. C'est-à-dire que toutes les œuvres du premier tronçon sont des œuvres de l'esprit, toutes, absolument, alors que nous avons aussi travaillé en valeur d'usage. C'est-à-dire qu'on a donné aux artistes, je dis toujours une petite phrase qui fait sourire parfois, je dis, dans commande publique, il y a commande. Donc nous, on a commandé. C'est-à-dire qu'on a dirigé les artistes vers quelque chose. Et cette commande, elle était très précise, elle était de répondre à une attente qu'on avait, nous-mêmes, pendant des mois, étudiée. De fait, on a fait des fontaines, donc on a continué les Wallace, hein. On n'avait pas fait la suite de Wallace depuis 1900, je ne sais combien, 12 ou 13 je crois, il n'y en avait pas eu de nouvelles installées. Donc avec Pascal Martin-Taillou, on a fait une série de 5 fontaines, avec Haute-Paris, ça a été un partenariat magnifique avec eux, elles sont toutes installées Porte de Montreuil, c'est des œuvres qui fonctionnent super bien. Avec Bertheis, on a fait des immenses bancs dans un parc qui n'avait pas bougé lui non plus depuis Jean Jaurès, puisque c'est là où il a fait en 1923 son dernier discours avant d'être assassiné quelques mois plus tard. Donc on a aussi revendiqué des œuvres politiquement dans des espaces qui étaient chargés d'histoire. Donc le parc de la butte du Chapeau Rouge qui domine, et d'ailleurs c'est un endroit magnifique, qui domine toute la Seine-Saint-Denis. Donc Bertheis a réalisé un banc qui fait 35 mètres de long et qui regarde le paysage. Donc
comme ça, on a eu quand même pas mal d'œuvres qui ont servi. On a fait aussi, je le mentionnais tout à l'heure, avec la RATP, l'œuvre d'Anita Molinero. La RATP se posait un très grave problème, pour eux c'était un très grave problème, d'un renouvellement d'une grande station multimodale, comme on dit aujourd'hui, bus, tramway, métro, à la porte de la Villette. C'était une station qui était dans un endroit extrêmement difficile, une pissotière géante, il faut bien le dire quand même, il faut dire les choses parfois, dans quel état aussi on demande aux artistes parfois de travailler. Parce que cet endroit est situé en fait entre un immense building qui domine vraiment tout le parc de la Villette et qui fait que seulement dans l'année 5% était éclairé par le soleil, 5% du sol. Donc c'était vraiment un endroit dans l'ombre absolue. Et puis enserré entre les rails du RER et de la gare du Nord. Donc, vraiment assez sordide comme endroit. Et la RATP nous a dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voudriez réfléchir avec nous sur un projet? Et donc, nous, on a mis du temps, parce que c'était difficile pour nous aussi de mettre un artiste dans ces conditions qui étaient complexes. Mais finalement, on a décidé de donner le challenge à Anita Molinero, qui a vraiment relevé ce défi avec une pertinence, une exigence incroyable. Bon, certes, elle a dû refaire son projet 3 fois parce qu'il n'était pas forcément adapté. Mais aujourd'hui, c'est une œuvre qui est extrêmement estimée par les habitants, par les voyageurs. C'est une œuvre qui n'a presque zéro graffiti. Les lampes qui sont des phares de voiture n'ont jamais été cassées. Il y a des pattes d'oiseaux qui ont été faites en résine. Il n'y en a aucune qui a été volée. Enfin, il y a un respect énorme en fait de la part des utilisateurs de cette œuvre. Et en ce sens, pour nous, l'idée de l'œuvre à valeur d'usage était extrêmement importante. Le problème, en fait, que je me pose aujourd'hui par rapport à l'art dans l'espace public, c'est en particulier son devenir, sa maintenance, évidemment. Nous, on avait, dans le projet, mis une somme importante pour 10 ans de maintenance. Donc, on a enlevé de l'argent aux artistes, d'une certaine manière, pour le donner à des personnes qui étaient là, normalement, pour maintenir les œuvres. Donc, on avait proposé un certain nombre de contrats qui devaient être réalisés donc, à la fin du travail fait avec les sociétés de production, parce qu'il y avait 2 sociétés de production qui ont produit au nom de la ville les œuvres. C'était quand même un soutien, une aide inestimable. Donc, Arter et Eva Albaran, qui se sont répartis, enfin non, les œuvres se sont réparties en fonction des contrats, en fait. Pour ces 2 agences, et donc on leur avait demandé de faire un cahier de maintenance. Donc chaque société de production a réalisé pour chaque œuvre un cahier de maintenance pour 10 années, avec tout ce qu'il fallait faire pendant 10 années pour que les œuvres, au moins, on ait la garantie décennale, comme en architecture, parce qu'au-delà, bon, ça prend d'autres formes. Voilà, il se trouve que ça n'a pas toujours été suivi. Et c'est ce qui me rend le plus triste en fait, parce que l'engagement que nous avions pris auprès des artistes, l'engagement auprès de nous-mêmes, parce que quand on fait aussi, quand on réalise des œuvres avec des artistes, on prend aussi un engagement avec nous-mêmes. On est quand même des professionnels, on travaille, on fait toute notre vie avec des artistes, et donc on estimait avec Christian Bernard qu'on devait leur rendre aussi ce qu'ils nous avaient donné, et dans la maintenance des œuvres, ça paraissait le minimum. Bon, il se trouve que c'est pas forcément suivi, et c'est ça qui est pour moi le plus triste, en fait. C'est assez triste. J'ai pas tellement d'autres mots, parce que quand on voit des œuvres qui, simplement, on s'en occuperait un tout petit peu et ça irait très bien, c'est dommage de pas le faire, c'est dommage. Parce que du coup, je pense que ça incite les gens à les critiquer. C'est-à-dire, oui, cette œuvre-là, elle est sale, il y a des tags, elle est cassée. Donc voilà ce que dit la population par rapport, enfin, les habitants, les usagers, ceux qui vivent à proximité. Voilà ce qu'ils pourront dire aussi des œuvres qui sont devant chez eux. Et moi, je les comprends très bien. Je les comprends aussi quand ils disent qu'ils n'en veulent plus, que quand il y a des nouveaux programmes, ils hésitent. Ils hésitent parce qu'ils ont l'histoire. Eux, ils sont sur les territoires. Donc, ils ont l'histoire et la mémoire aussi de ces œuvres qui se sont dégradées au fur et à mesure du temps. Et quand on dit qui doit s'en occuper, il n'y a personne qui répond. Donc, pour moi, c'est le moment de tristesse absolue quand je rencontre une œuvre
pour laquelle j'ai donné 5 ans de ma vie. voilà, c'est le moment le plus triste, le plus aberrant aussi. Je pense qu'il y a une aberration aussi à ne pas maintenir les œuvres. On maintient les jardins, on maintient la voirie, on maintient l'éclairage public. Pourquoi les œuvres ne sont-elles pas maintenues? C'est quand même une vraie question pour moi. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas fait, voilà, mais nous, on a eu aussi une petite façon de rendre les choses possibles. Alors, on n'a pas pu le faire pour toutes les œuvres, mais on a fait en sorte que nos partenaires prennent en charge, en fait, cette maintenance. Par exemple, la station d'Anita Molinero, ce n'est pas la ville de Paris qui en a la maintenance, c'est la RATP. Donc, au même titre que n'importe quelle station de Villemotte, hein, puisque c'est Villemotte qui a fait toutes les stations du tramway, elles sont nettoyées, elles sont dégraffitées, etc. La grille du parc du stade Jules Ladoumet qui entoure donc ce stade, c'est Pascal Pinault qui l'a réalisé. S'il n'y a jamais eu le moindre tag, la moindre chose, mais s'il y avait, ça serait la direction jeunesse et sport qui s'en occuperait. Les bancs de Bertheis, c'est les parcs et jardins. Donc en fait, quand ça appartient à d'autres, on se rend compte que ça fait partie du mobilier. Donc là, je ne parle que des œuvres à valeur d'usage. Hein. Les fontaines, c'est pareil. C'est évidemment Eau de Paris qui s'en occupe. Donc là, il n'y a aucun problème, évidemment. Parce que on a fragmenté finalement la maintenance. On n'a pas tout donné à la ville de Paris. Je pense que c'est une chose qu'on a bien faite finalement, sauf bon, une ou deux œuvres voilà, qui appartiennent à 100% à la ville, qui a mis moins de moyens à la maintenance des œuvres. Mais globalement, sur le parcours dont j'ai eu la chance de mener à bien le projet, franchement, je trouve que c'est quand même assez réussi dans l'ensemble. Hein. Ça a été inauguré en décembre 2012, ça fait 4 ans, il n'y a pratiquement aucune œuvre abîmées, les œuvres taguées, elles sont nettoyées, hein, là aussi par la propreté de la ville. Mais aussi là, on a fait un protocole qui fait qu'on n'est pas obligé de passer par un conservateur du patrimoine pour nettoyer les œuvres. Ça aussi, on a bien travaillé avec les artistes de ce côté-là. On a fait des contrats aussi qui permettaient qu'ils puissent, en tout cas qu'ils puissent signer. On a fait des contrats qui leur demandaient de signer en disant que si l'œuvre devait être déplacée pour des raisons urbaines, pour des raisons aussi de dégradation, mais que la ville ne pourrait pas les restaurer pour des raisons X ou Y, on pouvait déplacer l'œuvre en prévenant l'artiste, mais sans que celui-ci ou celle-ci réclame quoi que ce soit. Donc on a aussi avancé ces choses-là dans le temps pour permettre une plus grande appropriation en fait, des artistes et des habitants aussi de la ville par rapport à ces œuvres.